ça va. Merci de m'avoir appelé pour faire un petit témoignage, hein, de parler un petit peu d'Espéranza, de Fanetelan, de ce site Fanetelan, de la spiruline, surtout d'Espéranza pour ce 20e anniversaire. Merci beaucoup, vous acceptez de venir ici pour faire ces films, pour montrer à Espéranza pour son anniversaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'Espéranza, de spiruline ou de ce site de Fanetelan, c'est qu'il faut parler un tout petit peu du contexte, en même temps global, mais aussi surtout de Madagascar. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que près, selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un milliard d'individus souffrent encore de faim dans le monde. Pour le cas de Madagascar, elle constitue encore, de nos jours, un problème majeur de la santé publique, car plus de la moitié de la population malgache souffre encore de malnutrition. Économiquement, Madagascar fait partie des pays les moins avancés de l'Afrique. La pauvreté touche plus des deux tiers des Malgaches. L'enquête démographique et de santé, par exemple, l'EDS, de 2008-2009, a révélé qu'un enfant de moins de 5 ans sur deux souffre encore de malnutrition chronique. En 2016, la malnutrition reste encore la principale cause de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, car 54% des décès lui sont encore attribués. La malnutrition demeure donc encore un problème majeur pour le développement de Madagascar. Elle est responsable fondamentale de la mortalité infanto-juvénile. À la fois cause et conséquence, la malnutrition constitue un cercle vicieux. Elle nuit à la croissance économique des familles et perpétue la pauvreté. Donc, c'est pour cela que, en 1996, Espéranza, Joie des enfants, qui est une association française, a été créée. C'est une association qui, pour moi, a compris très tôt l'importance de lutter, d'endiguer ce fléau qu'est la malnutrition. Donc, depuis 1996, Espéranza a créé 5 cantines. Travaille avec 5 cantines qui est essentiellement dirigé sur terrain par des congrégations religieuses. Donc il y a 1300 repas qui sont distribués chaque année. Donc actuellement il y a plus de 250 000 repas qui sont distribués par Espéranza. Et pour aller encore plus loin dans son combat, ben, il y a quelques années, il y a Espéranza, dirigé par le grand monsieur qui est Philippe Thirion, et dirigé par Philippe Thirion, et on a discuté aussi avec Jean-François Verger, qui est aussi un des initiateurs de ce projet de spiruline. Donc, pourquoi la spiruline? Donc, la spiruline, parce que la spiruline, c'est un complément nutritionnel exceptionnel. Déjà, il faut savoir qu'historiquement, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est une algue qui existait déjà il y a 3 milliards d'années. Donc, elle fait partie des premiers êtres vivants apparus sur Terre. C'était déjà la nourriture de prédilection de certaines tribus comme les Aztèques du Mexique, les Conembous du Tchad. Mais la découverte scientifique, c'était en 1940 par l'IFP, l'Institut français du pétrole, avec le professeur Danjard. Et à Madagascar, c'était en 1997 que l'intérêt de la spiruline a commencé. Donc, depuis, à l'époque, c'était un organisme qui s'appelle Antena Technologies,
dont j'étais directeur à une certaine époque à Madagascar. Mais c'est l'organisme, c'est une fondation suisse qui est spécialiste mondial de cette algue. Donc après discussion et connaissant le contexte malgache, et après des descentes à Madagascar, des visites à Madagascar, après des études, y a Esperanza qui a créé le site Fanatenan, le site de production de Spirbin de Fanatenan. Donc à partir de là, on a commencé par 6 bassins. Et là, actuellement, il y a 14 bassins quand même produits. 14 bassins qui fait au total 840 mètres carrés qui produit autour de 90 kg de spiruline par mois. Donc voilà pourquoi la spiruline, parce que la spiruline c'est un élément, c'est un aliment, c'est un super aliment qui est connu pour ses valeurs nutritionnelles, parce qu'il faut savoir que dans la spiruline il y a quand même 11 vitamines. La plupart très très intéressant et rare à trouver dans d'autres éléments, dans d'autres nourritures, on va dire. Parce qu'il y a 11 vitamines, notamment la vitamine B12. Il y a quand même 4 fois plus de vitamine B12 dans la spiruline que dans le foie cru, qui est connu jusqu'à ce jour comme l'aliment le plus riche en cet élément. Il y a 30 fois plus de bêta-carotène, la provitamine A, que l'organisme humain va transformer en vitamine A. Il y a vitamine K, B1, B12. C'est l'aliment le plus riche en fer. Il y a de l'oméga 6 aussi. Pour résumer, donc il y a quand même presque tous les aliments, tous les éléments dont l'organisme humain a besoin pour se développer. Et c'est là que l'intérêt de la spiruline contre la malnutrition devient intéressant. Mais il faut savoir aussi certains médecins préconisent la spiruline pour des besoins thérapeutiques vu l'importance des éléments qui se trouvent dans la spiruline. Elle est utilisée par exemple contre le diabète, elle assainit la flore intestinale. Elle a une action protectrice sur la peau, sur les yeux, sur les cheveux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle stimule l'organisme. Par exemple, actuellement, mais les recherches continuent, c'est que la spiruline augmente le taux de lymphocytes CD4 pour les CD1. Donc ça permet d'améliorer le confort de vie des CD1. Mais jusqu'à maintenant, les recherches continuent parce qu'on ne sait pas si la spiruline agit sur le virus. Et pour le moment, on est sûr qu'elle augmente le taux de lymphocytes des malades du sida. À part cela, vu l'importance, la teneur en magnésium qu'il y a, elle permet d'aider contre le stress, elle permet pour les enfants qui vont à l'école d'augmenter la mémoire. Pour les sportifs, elle permet par exemple d'augmenter l'endurance, elle diminue la sensation de fatigue. Bref, elle favorise le bien-être général, elle permet d'avoir, de rester en bonne santé pour les malades et pour les non-malades. Mais ça, pour les utilisations thérapeutiques, les recherches continuent encore. Mais ce qui est sûr, c'est que la spiruline est très, très, très intéressante contre la malnutrition. Parce que pour les enfants qui sont quand même atteints de malnutrition aiguë, ça permet d'avoir, en une cure de 45 jours, ça permet d'avoir jusqu'à 6 kg de gain de poids. Et je trouve que, à Madagascar, c'est vraiment important
que la spiruline soit cultivée. Je pense que Spiranda a accompli ça bien avant. Donc voilà ce qui a à dire sur la spiruline. Il y a pas mal de, encore pas mal de choses qu'on peut dire, mais c'est un super aliment, c'est un alicament, comme on dit, un aliment, un médicament. Et je pense et je félicite Esperanza d'avoir pensé à créer ce site. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va parler un petit peu de la technique qu'on fait ici. Hein. Voilà. La spiruline peut aussi être cultivée en bassin, du moment où les conditions nécessaires à sa croissance sont respectées. La technique de culture en bassin commence par l'ensemencement, c'est-à-dire on prend une souche de spiruline, c'est-à-dire le liquide de spiruline, l'eau dans laquelle elle vit. On rajoute des intrants nécessaires à sa croissance, on respecte le pH, la densité et tous les paramètres qui pourraient aider à la croissance de la spiruline. Puis à chaque fois que la spiruline est concentrée, ben on rajoute de l'eau, parce que c'est son milieu de culture, on rajoute de l'eau. Et on double le volume jusqu'à avoir une hauteur voulue, c'est-à-dire entre 10 à 20 cm. Arrivé à 20 cm, lorsque c'est concentré, il faut récolter pour ne pas laisser la spiruline étouffer dans son milieu. On passe donc à la récolte. La spiruline peut se faire tous les jours lorsque les conditions sont bonnes, c'est-à-dire lorsque la concentration en spiruline dans le milieu le permet. La récolte commence par tout d'abord par la préfiltration. On utilise ce passoir-là qui est de maille de plus de 100 microns qui ne va retenir que les impuretés. On prend l'eau de la spiruline et on verse l'eau dans le milieu et ça ne va retenir que les impuretés et les saletés. Et juste en dessous, il y a la filtration proprement dite avec un tamis spécial, un tamis de maille très très petit. Très petite, de 35 à 50 microns, qui ne va retenir que la spiruline. Et après quelques minutes de récolte, on obtient de la boue verte obtenue grâce à l'entassement de spiruline. Donc la spiruline va s'entasser, on obtient de la boue verte qui est composée de milliards et de milliards de spirulines. Quand
très peu pesage du poids filtré de la spiruline. On le met dans ce tissu-là pour permettre le pressage. Puis on passe directement au pressage. Donc voilà. Maintenant on passe au pressage. Donc on utilise ce matériel-là qui est une presse à vis sans fin. Donc on tourne tout doucement et on laisse pendant 10 à 20 minutes le temps que l'eau s'écoule. Oh, après pressage, on va maintenant passer à l'extrusion ou à la mise à spaghetti. La mise en spaghetti permet de faciliter le séchage. Ce processus-là se fait avec le pistolet là. Ouais. On le met donc dans le pistolet. Donc on le met en spaghetti, donc c'est comme le pistolet décorateur de gâteau, et on obtient des spaghettis très 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 fins qui va faciliter le séchage après. Nice. Le séchage se fait pas plus de 8 heures à moins de 70 degrés pour ne pas détruire les éléments qui se trouvent dans la spiruline. Donc à la fin du séchage, on obtient ces spaghettis là qui sont faciles à croquer. Donc soit on le laisse comme ça, soit on le met en poutre, ça dépend des consommateurs. Donc la mise en poudre se fait avec un mixeur typique, hein, 10 secondes au mixeur. 10 secondes au mixeur, je te laisse travailler. On obtient des poutres très fins comme ça. Et quand on a ça, des spaghettis, on les emballe, on les met en sachet. Voilà.
Je m'appelle Rajana Madouche Marie-Lucie. Je suis religieuse dans la congrégation des filles du cœur de Marie, responsable de la communauté dit Najareta Keli en Tsungu. Représentante de la congrégation vis-à-vis de l'association Esperanza sur les sites Fanatenana, Vozanahari en Tirabe. Petite historique. Auparavant, Esperanza travaillait avec le collège Mbuijava Kaimito pour les cantines scolaires. En ce moment, Esperanza cherche un terrain pour la culture de spiruline en voyant les malnutritions des enfants. Et il parlait à la directrice du collège d'Imitu. Partager avec elle leur désir de cultiver la spiruline. La directrice partagea ce grand désir d'Esperanza à la congrégation. Partageant le désir d'Esperanza à la congrégation, en pensant notre terrain de Magina. Esperanza voyant Magina trop loin, pas d'électricité, pas d'eau. On a changé l'endroit à Vozanahari. Après les longues discussions de la congrégation, on a accepté ce désir de plantation de spiruline pour Vozanahari en Tirabe. Nous avons accepté, pourquoi? Parce que c'est aussi notre champ d'activité de donner à manger aux enfants malnutrissés, de scolariser les enfants qui n'ont pas la possibilité. C'est pourquoi la congrégation a créé déjà, bien avant, l'alphabétisation pour ces enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. Actuellement, la collaboration avec Esperanza nous permet de satisfaire notre désir comme les leurs en travaillant ensemble
nous avons la joie de donner le complément de nourriture à ses enfants, aux plusieurs enfants malgaches, autour de 2400 et quelques, partout dans 10 centres et cantines scolaires. Nous sommes maintenant ici, dans cette pièce qu'on appelle le stockage de spiruline, qui est en même temps bureau de Sœur Janie, la première responsable de l'équipe spiruline, où elle reçoit tout le monde à la recherche de la spiruline, où elle reçoit chacun des équipes qui travaillent avec elle. Vous voyez que les sachets de spiruline est marqué là-dessus le kilo de chaque bassin et la date. Je viens de dire le nom de Sœur Janie, elle qui est responsable directe du site. Je vais lui donner la parole et c'est à elle de continuer la conversation. La collaboration avec Esperanza, il y a une très grande distance. Donc, pour nous rapprocher, il nous faut faire des courriers. C'est pourquoi je suis dans ce bureau pour faire les paperasses. Donc du coup, cette collaboration demande beaucoup de travail. Et avec l'équipe, nous essayons de donner des réponses à chaque courrier, ainsi que des rapports que Sœur Rouve et moi, nous tâcherons de l'envoyer. Même si parfois on est en retard. Il est bien de signaler que Sœur Rouve est là pour la comptabilité. Donc nous travaillons ensemble. Je suis là aussi pour ranger et vérifier ces conditionnements par bassin et la distribution aux 10 centres et cantines scolaires. Les kilos nécessaires pour les cures. Si je sors d'ici, soit pour aller au site, soit pour aller au cyber, pour voir des courriers, soit pour faire les achats des intrants. Et même, il m'arrive aussi de faire des kilomètres pour trouver des charbons. Pour sécher la spiruline. Nous vous remercions de tout cœur pour votre très grande confiance à notre congrégation ainsi qu'à moi et à toute l'équipe de Fanatenana pour la réalisation de ce projet. Que notre collaboration continue dans les meilleures recherches de la volonté de Dieu. Et nous remercions Dieu pour les 20 ans passés, pour l'association Esperanza, tout en espérant de sa bénédiction pour les années suivantes. Donc, merci à tous et bonne continuation. Bon anniversaire à tous et bonne continuation. Merci. Donc, par ce processus de production, il y a quand même pas mal de paramètres que Dani va suivre tous les jours. Il y en a une bonne centaine qui va permettre de produire de la spiruline de qualité. Donc, Dani, c'est le chef de site. Donc, il va voir, par exemple, la vue au microscope. Il y a pas mal de paramètres sur ça. Il y a la couleur de la spiruline, le pH, les équilibres, la densité, le filtrage, donc pas mal de paramètres qu'il faut suivre tous les jours.
Donc c'est du gros travail qui demande de l'engagement, qui demande du courage. Donc c'est pour ça que les gens qui travaillent ici, les employés, bah, ils sont sélectionnés à partir de leur motivation. Donc il faut que les gens qui travaillent ici sachent que bah, ils travaillent pour les enfants, leur travail permet de guérir des enfants de la malnutrition. Donc c'est la première motivation. S'il n'y a pas ça, bah, ça ne marche pas parce que c'est beaucoup de travail. Et voilà, il faut que le travail devienne du plaisir. Voilà, donc je te laisse travailler. Régulièrement analysé auprès du ministère de la Santé, après obtention des certificats de consommabilité, la spiruline d'Espéranza, de Fanatenal, sera distribuée au sein des 5 congrégations qui travaillent avec Espéranza. Il faut savoir qu'avec 1 à 2 grammes de spiruline par jour, on peut guérir un enfant de la malnutrition. La dose moyenne prescrite contre la malnutrition est de 1 gramme par 10 kg de poids. C'est-à-dire qu'avec un enfant de 10 kg, ben, il faut 1 gramme de spiruline pendant 45 jours. Nous, pour un enfant de 20 kg, il faut 2 grammes de spiruline pendant 45 jours. Donc, si on fait le calcul, un enfant, il faut 90 grammes de spiruline. Et quand on sait que Fanatenal ici produit autour de 90 kg, ben, cela veut dire qu'il y a potentiellement 1000 enfants par mois que Espéranza sauve de la malnutrition. Ce qui fait qu'en un an, avec 1 à 2 cures, qui est la moyenne préconisée par les médecins, ben, on peut arriver jusqu'à 6000 à 12000 enfants par an qui seraient guéris de la malnutrition. Et ce qu'il faut dire aussi, et je pense que Fanatenal en est fier, c'est que la spiruline de Fanatenal, d'après les analyses, fait partie de la meilleure spiruline au monde et à Madagascar en termes de qualité. Donc, pour tout ça, en tant que passionné de spiruline, en tant que personne franc contre la malnutrition, je ne peux que féliciter Espéranza pour ses 20e anniversaire. Je ne peux que féliciter tous les partenaires d'Espéranza. Merci pour tout ce que vous faites. Et encore une fois, je ne peux qu'encourager les bailleurs de fonds, les partenaires financiers qui travaillent avec Espéranza à investir, à financer davantage ce que fait Espéranza. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est une algue, c'est une formidable réponse à la malnutrition. C'est une solution importante contre la malnutrition et c'est une solution d'avenir. Donc, bon courage. Et encore merci pour tout ce que vous faites pour les enfants malgaches. Et si Espéranza, si Fanatenal a besoin de spécialistes, ben, nous, on répond toujours présent en tant que bénévole. Voilà, donc bon courage et merci. Bon anniversaire, Espéranza. Pour ce 20e anniversaire, nous avons tenu à faire ces petits films que nous avons concoctés nous-mêmes pour témoigner notre gratitude à tous les membres d'Espéranza, tous les partenaires et les donateurs d'Espéranza. Merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants malgaches. Merci pour le bénévole que vous envoyez régulièrement afin d'améliorer la qualité de notre travail. Merci pour les visites régulièrement à Madagascar. Merci pour vos soutiens tout au long de ces années. Merci à tous et bon anniversaire à tous. Bon anniversaire à tes filles, Loumé.